Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc sur ce nouveau chapitre de Retro Movies, eh oui, numéro 94. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, euh, de euh, vous accueillir euh, tous dans le chat, évidemment, comme d'habitude, pour les habituer, euh, ceux qui ont euh, bah, vraiment la passion du cinéma de genre, et euh, vous savez combien pour moi ça compte. Alors, je tiens à vous dire tout de suite, avant que je fasse les présentations dans le chat, j'ai bien dormi que la nuit fut paisible et reposante et ça fait du bien de dormir ça c'est clair ça fait du bien de se ressourcer il faut toujours avoir un minimum de sommeil donc j'ai dormi quand même plus de 8 heures euh, j'ai fait une super un super somme et ça m'a fait du bien je vous l'avoue euh, comme ça je suis d'attaque pour ce soir pour vous diffuser. Vous le savez, donc la, la soirée euh, du dimanche soir, euh, comme au, au cinéma euh, du dimanche soir, avec des films atypiques, je le précise. Euh, voilà, des films différents. Alors, je ne vais pas vous montrer ma trogne. Si vous voulez, je vous la montre deux secondes, voilà. Mais là, il y a le jour qui me, qui me euh, voilà, qui fait un reflet. Donc, euh, j'ai la flemme d'aller baisser le volet, si vous voulez. Euh, donc, ce n'est pas grave. Euh, j'ai dormi dans mon bain absolument, euh, Gottfried. Et j'ai failli m'endormir sous la douche aussi. Euh, donc, euh, je tenais à vous saluer d'abord avant de commencer ce live sur le film, bien sûr, que vous avez vu en présentation, sur ce générique hein, que donc j'avais euh, concocté, qu'on m'avait concocté, et que donc j'utilise de temps en temps. Ce générique qui vous plaît bien apparemment. Donc, je dis bonjour tout de suite à, à Gottfried Moedib. Euh, bonjour mon cher, euh, bonjour Lépice, euh, Anne Brildor, euh, Mira régard tiens tu as changé c'est plus Anne Brildor deux fois, il y a Got, euh, bien sûr, il y a Godfried, salut à toi mo Zombie, euh, Mo Space Labs alias Olivier euh, et puis euh, Patrick super, euh, je suis content de, de voir Patrick dans le chat, salut mon cher Patrick, je vous parlerai de sa chaîne en fin de live. Euh, et du live qu'il fait demain soir, évidemment, Patrick, c'est très important de ne jamais oublier ce qu'il fait également euh, sur le YouTube, grâce à tous ces films aussi qu'il présente en présence de Olivier, euh, alias euh, donc Babas. Euh, Moi, Dib, Patotaku, salut à Pat, salut à Ludovic le Prêtre, salut à mon Greg Valkoviak, salut à qui j'ai oublié. Vous êtes 12 dans le chat. Euh, vous... Night Hall, évidemment, Night Hall. Et puis qui d'autre Bon, excusez-moi si j'en oublie. Cookie Dook, bien sûr. Euh, voilà. En tout cas, euh, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous passer quand même un lien, si vous voulez me rejoindre pour parler quand même du film, après que j'ai fait ma présentation moi-même, ma critique sur le film. <coughs> évidemment, vous savez que les films dont je parle dans Retro Movie, ce sont des films que j'aime, que j'apprécie en premier lieu. Donc, ce ne sont pas des films euh, qui m'ont déçu, évidemment. Je ne parle pas des films que je n'aime pas ici. Vous le savez. C'est le principe du direct Rétro Movies. Quel est l'intérêt de parler de films que je n'aime pas ouais. Vous comprenez C'est moins intéressant pour moi. Donc, et salut à Stéphane Herbisti. Stéphane, je reviendrai bientôt vers toi. Mais euh, voilà, je me suis reposé parce qu'hier, j'ai terminé très tard sur le live de, de M. Romain Croix de Malte. Donc voilà, euh, dormir, ça fait du bien. Alors, je vais tout de suite vous mettre euh, donc, euh, dans l'ambiance du film dont on va parler aujourd'hui, Malville, donc de Christian de Challonge, sorti en 1981 avec une superbe distribution, euh, une superbe distribution dont je vous parlerai tout de suite après. Alors, je vois qu'il y a également Cine Legacy. Alors, Cine Legacy, je suis ravi de t'accueillir sur euh, donc, euh, ce chat et eux aussi dans l'émission. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre. L'émission dure max une heure. Vous pouvez me rejoindre enfin, une petite interruption de cinq minutes pour dire si vous avez vu le film et si. Pourquoi vous avez apprécié ce film « Malville » Qu'est-ce que vous retenez de ce film Parce que là, on va parler quand même d'un film de science-fiction post-apo français, ce qui n'est pas rien parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de films de SF post-apo dans le genre, en tout cas en France réalisés, euh, donc, euh, donc euh, je dirais jusqu'à aujourd'hui. Et euh, n'oubliez jamais qu'il y a eu un seul autre film, et ça je vais vous le citer, et j'en parlerai aussi, c'est un film de Jean Portalet qui s'appelle « Réalisé en 1976, donc avant « Malville », qui était un post-apo français euh, qui s'intitule Demain les mômes. Et celui-ci est excellent également avec Nils Arestrup et la toute jeune Emmanuelle Béard. Donc, euh, on va parler maintenant tout de suite pour entrer dans le vif du sujet donc, de ce fameux Malville. Et euh, tout de suite, je vais vous mettre dans l'ambiance avec des images quand même, parce qu'il faut quand même resituer un peu le contexte de ce film. Et pour vous le resituer, alors je suis désolé, euh, je n'ai pu récupérer qu'une bande-annonce euh, allemande euh, pour vous montrer un peu l'ambiance. Alors j'ai pu la tester, donc il n'y a aucun problème pour la diffuser. Euh, voilà. Je vais tout de suite vous mettre dans l'ambiance de cette bande-annonce. Et puis on se retrouve tout de suite après pour euh, donc, commencer euh, ce live sur Malville. Euh, voilà. A tout de suite. Wir sind zwar nicht viele, aber dich werde ich bestimmt nicht am Leben lassen. Du bist ein Mann, der vor der Katastrophe lebte. Du hast es nicht verdient zu überlegen. Bald wird es hier nur noch ein Gesetz geben: das Gesetz des Tunnels. Und wenn es immer wieder Überlebende gibt, werden sie sich uns beugen. Oder sie sterben. Wollen Sie doch ein letztes Mal beten? Vergesst niemals den Pakt. Unseren Pakt mit Gott. Gott hat uns auserwählt. Wir sind die einzigen Überlebenden auf dieser Erde. Von diesem Ort aus werden wir Erwählte, die Stammväter eines neuen Menschengeschlechts. Ja. Je suis désolé, donc je vais reprendre la main parce que, évidemment, il euh, y a des pubs qui s'interfèrent, puisque comme ce n'est pas euh, une bande-annonce téléchargée. Euh, voilà, donc c'était euh, un rapide extrait en fait, euh, de l'ambiance de Malville. Euh, donc, est-ce que vous m'entendez bien dans le chat euh, Je ne sais pas si j'ai un retour de moi-même. Alors, attendez, je vérifie mon son, mais apparemment, ça marche. Est-ce que vous m'entendez Allô, allô Je pense que oui. Alors, attendez, juste un, parce que je n'ai pas de retour de mon son. Donc, je vais juste vérifier si je m'entends bien. Oui. D'accord, vous m'entendez bien. Ok, c'est parfait. Ok, donc, on va continuer tout de suite. Alors, Malville, euh, attendez, je vais vous mettre tout de suite un lien pour les intéresser, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis aussi sur le film, si vous le connaissez notamment. Je sais que Patrick adore ce film et j'aimerais bien Patrick euh, juste après et même euh, Cine Legacy si vous voulez me rejoindre un petit peu pour donner votre euh, vos impressions sur ce film. Alors attendez, je vais mettre tout de suite le lien voilà Bientôt, euh, oui, merci Patotaku, bientôt 2000 abonnés. Je suis très content, très content de cette montée soudaine. Alors, c'est peut-être sans doute à la rubrique que j'ai lancée, vous savez, donc, Ciné Flashback, euh, qui a bien joué, puisqu'il y a des films qui ont plu, euh, donc, sur le YouTuber. Et euh, ça a marché, puisque, euh, évidemment, ça m'a boosté les abonnés. Euh, donc, tant mieux, je, je suis content. Euh, voilà, bien que je ne fasse pas ça pour la gloire, vous le savez très bien, je fais ça avant tout pour le partage et la passion du cinéma. Alors, on y va avec donc Malville. Malville, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça nous raconte Eh bien, on va tout de suite replonger dans l'histoire de Malville. Donc, film de science-fiction donc réalisé par Christian challenge dont je vous parlerai quand même de la Filmo, puisqu'il a parisé énormément de films, il a, il, a, il a quand même fait des films qui ont compté. Euh, voilà, euh, donc c'est un... Euh, euh, c'est un film donc qui est adapté du roman euh, donc de robert merle publié en 72. Euh, voilà donc je vais vous parler du contexte euh, du film euh, donc ça se déroule dans un monde euh, donc après euh, post-apo hein, après euh, donc une catastrophe nucléaire une guerre nucléaire en fait et le film donc, euh, donc va euh, explorer les conséquences de cette catastrophe sur la société humaine et met en mettant en lumière les défis euh, auxquels les survivants vont être confrontés en fait et euh, les thèmes centraux. donc ça aborde plusieurs thèmes importants. donc la survie, la reconstruction de la société euh, je dirais la responsabilité individuelle collective également et la lutte euh, entre la civilisation je dirais, et la barbarie. parce que euh, ce film c'est ça aussi. c'est qu'est-ce qui arriverait? comment on réagirait si on se trouvait dans une situation où donc euh, il y a eu un, un catastrophe, euh, un cataclysme euh, d'origine. Alors, ils ne savent pas que c'est nucléaire au départ. Hein. Euh, c'est vers la fin qu'on va savoir beaucoup de choses là-dessus. Mais en tout cas, une catastrophe qui donc montre que euh, donc un événement euh, donc, a précipité le monde, je dirais, dans, euh, dans quelque chose d'absolument ben, oui, effrayant, en tout cas, avec euh, donc une, une vision euh, d'apocalypse, hein, puisque euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est qu'au-delà, euh, je dirais, de la sensation quand même d'avoir euh, un monde dévasté, en tout cas, ça se passe d'une sorte de, de, de village, je dirais, de, de fermier, en fait, c'est dans la campagne hein, que se déroule Malville, donc ils vont être touchés directement par cette catastrophe nucléaire, alors ils ne savent pas que c'est du nucléaire au début, mais en tout cas, c'est un, un phénomène donc, qui va euh, vraiment… Euh, euh, ben, en fait, le, le, la catastrophe est le prétexte, surtout pour euh, Christian de Challenge, à travers, bien sûr, le roman de Romère Merle, hein, d'adapter, je dirais une situation, euh, voilà entre survivants et comment euh, l'organisation euh, de ces survivants va se faire euh, les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a des clans qui vont se former euh, comme avec celui de Jean-Louis Trintignant dans le film Et on le verra très bien. Euh, voilà. Est-ce qu'il va y avoir euh, des choses qui font que euh, la situation va dégénérer à cause euh, de cette, euh, bah, cette situation qui euh, euh, devient euh, vraiment euh, euh, oui, euh, qui, qui donne euh, donc aux habitants de ce village euh, l'impression de, de ne plus savoir comment euh, faire pour s'en sortir et comment gérer euh, la suite, la survie, en fait. donc, euh, l'action se déroule comme je dis, euh, principalement donc, autour d'un du, euh, lieu symbolique, et c'est le château de malville, d'après mes notes. Un petit groupe de survivants donc trouve refuge dans cet endroit. Le château devient une sorte de microcosme où se joue les, la, la dynamique de pouvoir, de solidarité et de conflit entre tous les personnages. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques images euh, également pour vous mettre dans le ton, dans l'ambiance de ce film. Alors, euh, ce qui est important, c'est de, de voir aussi, euh, je dirais, euh, bien sûr le euh, comment ici euh, on traite, je dirais le une catastrophe euh, qui donc euh, va nous plonger dans un dans un film post-apocalyptique, puisque donc c'est tout de suite après euh, cette catastrophe qu'on va découvrir cette, cette terre complètement dévastée, en fait, avec des paysages absolument euh, euh, effrayants. Comme par exemple, et surtout une brume aussi persistante, comme ici, donc euh, juste après la 4 heures où on voit Jacques Villeray euh, déambuler dans les rues, qui joue un simplet ici, hein, euh, qui joue le simplet de la famille de, de Michel Serrault. Alors, je vais revenir sur les acteurs, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Malville, c'est vraiment l'exploitation, euh, je, euh, je dirais, de la nature humaine, comme dit euh, Greg, justement. Alors, je vais afficher vos commentaires au fur et à mesure. Euh, le film est traité dans le cinéma français, c'est de la merde. Bon, euh, bien sûr, c'est euh, humoristique parce que ça veut dire le cinéma français, c'est de la merde, mais surtout celui d'aujourd'hui, pas celui d'avant. Voilà. Donc, attention, ça ne veut pas dire que le film, c'est de la merde. Loin de là, puisque Malville, pour moi, c'est un des meilleurs films français euh, qui a été tourné grâce à sa distribution, grâce à l'adaptation, on va dire. Alors, moi, je n'ai pas lu le roman, mais je pense fidèle du roman de Robert Merle. Donc. Euh, Gray nous dit je parle de mes souvenirs du film le livre étant plus fin bien sûr euh, voilà mais comme on dit à chaque fois l'adaptation d'un bouquin n'est pas à 100% fidèle euh, donc à un livre comme euh, pour euh, ben oui dans un autre contexte de SF Dune mais euh, ici donc ce qui est intéressant c'est de voir il euh, n'y a pas d'épices euh, Moët c'est de voir comment en fait les survivants vont s'organiser pour euh, donc faire face je dirais euh, euh, donc aux difficultés en fait de d'une euh, comment dire d'une telle catastrophe et comment euh, gérer donc euh, je dirais les conflits qui vont petit à petit ben euh, de par la faim de par la soif de par le fait qu'il y a plus de ressources les ressources s'épuisent donc on est complètement dans quelque chose euh, donc de euh, je vais dire de d'inattendu quoi puisque euh, c'est vraiment un événement qui, qui débarque et d'ailleurs euh, qui débarque de façon soudaine et d'ailleurs je vous invite à revoir la scène euh, si vous voyez le film la scène donc où donc la catastrophe arrive alors je vais voir si j'ai quelques photos pour vous montrer ça mais juste avant euh, voilà là c'est après la catastrophe ils sont en train de discuter donc super distribution mais hein, euh, Jacques Dutron, Michel Serrault, Jacques Villeray, euh, Jean-Louis Trintignant euh, voilà il y a, y a quand même des grosses pointures dans ce film et euh, ce que je veux dire c'est que euh, avant que la catastrophe n'arrive, c'est-à-dire, il y a même Robert Derry, on voit Robert Derry ici sur l'image, avant que la catastrophe n'arrive, donc, euh, donc, ils mènent tous leur petite vie, vous voyez, donc, euh, il y a Jacques Bulleray qui est donc la, euh, qui est le fils euh, bêta, en fait, euh, euh, simplé de Serrault, de euh, voilà, et, en fait, le film va, va se concentrer donc sur une petite unité, une, une famille en tout cas locale, de cet endroit, je dirais, euh, euh, isolé. Dans, dans, enfin, c'est plutôt, je dirais, c'est un hameau quoi, perdu euh, euh, dans la France profonde, on va dire. Et ils vont être touchés de plein fouet par cette catastrophe. Et, euh, et c'est vrai que ça va, ça va procurer euh, quelque chose d'assez. Euh, euh, une situation, bah, comme je l'ai dit, effrayante. Euh, où on va s'interroger sur, je dirais euh, donc euh, le évidemment toujours le, le contexte de la survie. Euh, voilà, les, les personnages évoluent, se confrontent à des dilemmes moraux, des choix difficiles, comme je l'ai dit, euh, du, pas de, du fait que euh, c'est une situation qui euh, donc les met face, euh, je dirais, à quelque chose d'inconnu. Euh, leur, leur survie aussi dépend de leur capacité à s'adapter à ce nouvel environnement hostile parce que c'est vraiment ça qui fait euh, tout de suite impression, à trouver un équilibre entre la nécessité de coopérer, les tensions internes aussi, euh, il y a aussi, euh, je dirais, les, les aspects politique hein, par moment avec le personnage de Trintignant sur la, la, la survie post-apocalyptique qui met en lumière bien sûr les, les luttes de pouvoir euh, j je, je dirais aussi les rivalités les alliances qui se forment au sein du groupe de survivants parce que il euh, y a un film c'est un film qui amène aussi vers un conflit et donc entre êtres humains qui survivent euh, pour le salut de chacun euh, bien sûr et il va y avoir aussi euh, euh, on va dire des clans qui vont se former euh, entre des personnes qui vont euh, basculer dans la barbarie et d'autres qui vont tout faire pour bah, ne pas rentrer dans, 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 dans quelque chose justement de barbare pour essayer de rester humble et humain euh, jusqu'à la fin et surtout euh, quand même de se défendre face à la barbarie. Et euh, le film donc explore cette, cette, de façon habile pour moi cet aspect-là. Alors, je ne connais pas le livre, donc je ne peux rien dire, mais en tout cas, moi, je ne me base que sur le film que je vois, et sur ce que je vois, euh, vraiment, c'est un film vraiment euh, intéressant, euh, euh, vraiment passionnant en termes des personnages. Moi, j'aime beaucoup les acteurs du film, j'aime beaucoup la, la, le traitement de l'histoire, le traitement, je dirais, narratif de l'histoire. Il euh, y a vraiment même un suspense dans le film quand même qui s'instaure euh, peu à peu. Alors, je vais mettre vos commentaires, excusez-moi, j'essaie de vous rattraper. Euh... Bien évidemment, titre ironique Ludovic, absolument. Euh, J'adore le post-apo comme avec Mad Max 2. Il dit pas Totaku à coup qu'il arrive pour moi. J'essaie de lire en même temps vos commentaires tout en faisant mon analyse du film. Hein. Euh, voilà, c'est notre Mad Max à nous. Euh, voilà. Euh, tout à fait, David G, c'est notre Mad Max. Euh, il y a même aujourd'hui quelques films français vraiment intéressants. Oui, Patrick, il a raison de le dire aussi. C'est important de ne pas tout jeter dans le même sac. Attention, euh, le cinéma français, euh, surtout la comédie, c'est devenu euh, pour moi. Bah vraiment euh, nul, euh, mais il euh, y a quand même des très bonnes choses encore aujourd'hui dans le cinéma, évidemment, même français. Euh, voilà, il ne faut pas faire une généralité, mais c'est loin de ce qu'on avait avant. Voilà, on le redit tout le temps, mais c'est quand même loin de ce qu'on avait avant. Euh, voilà, donc Greg nous dit, euh, il dit qu'il y a un côté très naturaliste dans le traitement du film. Les personnages sont peu développés car le film se concentre sur la dynamique relationnelle à la psychologie et la psychologie sociale. La fin du bouquin est complètement différente de ce qui avait fait rager Merle à l'époque. Eh bien oui, je veux bien le croire, oui, en effet. Malheureusement, donc c'est Robert Merle, euh, voilà, encore un des nombreux auteurs qui est déçu euh, de l'adaptation de, de, en tout cas, de, de son livre sur la fin. Euh, voilà, bon, bah après, c'est les partis pris, les choix des réalisateurs aussi. Et je ne sais pas si euh, euh, la fin du, du bouquin, euh, peut-être euh, si je le lis, bah, je vais préférer à celle du, du, du film, mais celle du film me paraît euh, tout à fait euh, intéressante également. Euh, voilà. Donc je vais revenir également euh, sur l'aspect euh, donc de la mise en scène quand même parce qu'il faut que je vous l'ai dit. Euh, donc je vous ai parlé du contexte euh, vraiment. Euh euh, du contexte post-apocalyptique, des enjeux du film, donc la survie entre euh, ces différents personnages qui vont se confronter à un moment donné, et puis euh, de l'évolution des personnages, euh, de l'exploration aussi un peu, je dirais, du côté politique, puisque donc va se créer des castes avec Jean-Louis Trintignant qui va monter en fait des, des sortes de... Ouais, de hum, de comment dire, une sorte de rébellion en fait euh, envers euh, ceux que parce qu'il va vouloir devenir un peu je dirais le, le maître d'œuvre de, euh, de qui va organiser la survie mais ça va pas plaire à tout le monde évidemment euh, voilà donc au-delà de ça donc on va parler maintenant un peu de la cinématographie de l'ambiance euh, donc euh, moi je dirais que c'est immersif euh, c'est une atmosphère sombre et c'est là où je trouve que ça fonctionne ce film c'est que une, on ressent une atmosphère sombre oppressante, euh, qui pour moi donc contribue à renforcer le sentiment de désespoir et de menace qui règne dans ce monde dévasté. Je vais vous le prouver euh, par euh, des images euh, qui montrent vraiment ce sentiment euh, de dévastation, euh, voilà, à travers certaines images quand même. Euh, donc, euh, je vous avais montré celle-ci, mais également, euh, vous pouvez voir des, des scènes aussi euh, vraiment euh, au ton dramatique, évidemment, après la, la catastrophe, en fait, ce que les paysages, en fait, euh, nouvellement, euh, qui surgissent juste après, je dirais, l'explosion nucléaire, donc, est-ce qu'ils provoquent, en plus, je dons, un paysage de désolation euh, où on se retrouve vraiment dans un monde totalement foutu, quoi, euh, d'un point de vue... Euh euh, de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que l'après est vraiment impressionnant à voir. Et d'ailleurs, on va le voir ici à travers ces images également. Vous euh, voyez, donc, paysage de dévastation, paysage où donc euh, il, y a, il va y avoir bien sûr euh, des, des personnes qui vont. Qui vont subir la catastrophe, évidemment. Euh, scène particulièrement impressionnante pour moi, c'est bien sûr euh, quand arrive la catastrophe. Ici, on voit euh, donc dans cette image, excusez-moi, euh, les images, je n'ai pas eu le temps de les classer, donc euh, j'essaie de rebondir sur euh, chaque image que vous voyez. Là, c'est un peu, je dirais, euh, donc euh, les négociations avec euh, Trintignant qui s'impose en despote, qui va vouloir un peu mener, euh, je dirais, euh, bah, le, les survivants. Et Serro euh, qui va un peu être son contradicteur. Euh, voilà, donc c'est un film. Ici, encore une fois, une scène très forte entre les, les deux personnages qui sont vraiment deux super comédiens, évidemment, euh, que j'adore. <tousse> attendez. Euh, oui, alors Stéphane, euh, oui, alors attendez, je fais une petite, euh, une petite précision. J'avais dit qu'il y a, euh, en effet, j'avais dit qu'il y a deux films post-apo que je reconnais dans le cinéma français. C'est celui-ci donc Malville et puis euh, De Malémum mais il faut pas oublier non plus et, et Stéphane Herbisti fait bien de me le rappeler parce que moi il m'était sorti de l'esprit bah, Terminus mais Terminus euh, voilà on va dire que ce n'est pas le meilleur du genre euh, même si c'est toujours euh, sympathique de le regarder pour le plaisir comme ça pour se marrer euh, et puis Terminus oui c'était un post-apo et Diesel mais alors Diesel je crois que c'était pour moi le, euh, le trou euh, le vide abyssal ce film euh, vraiment euh, voilà je vais peut-être en, en trouver d'autres hein, au fur et à mesure euh, que vous de cette intervention. Mais euh, Diesel, euh, ouais, c'était aussi un film post-apo. Euh, voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Terminus ou euh, Diesel, euh, euh, qui sont des films. Euh, justement post-apo, mais qui décrivent, je dirais, euh, la société après une fois que vraiment la, la catastrophe euh, euh, donc euh, est passée. Là, c'est vraiment euh, dans les prémices de la catastrophe, juste avant dans Malville, et ensuite juste après. Donc, euh, et puis dans De Malemum c'est juste après la catastrophe euh, mondiale aussi. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus centré, je dirais, sur l'imminence euh, vraiment de la survie. Euh, après la catastrophe, c'est ça qui est intéressant, euh, voilà. Et donc, euh, pour revenir à Malville, Malville est un film donc réalisé par Christian challenge donc qui utilise ici une cinématographie absolument euh, sublime en termes d'image. Euh, moi, je l'ai vu euh, ce film, je l'ai revu dans une qualité euh, vraiment excellente, et euh, je trouve que il y a, comme j'ai dit, il y, y, y a vraiment des, des paysages. Alors tout est fait en décor naturel, en plus, donc il y a vraiment un travail. Euh, Vraiment superbe sur l'ambiance des, des justement de, de, de dévastation, de désolation euh, de, de cette catastrophe et. Euh, donc, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un film qui va euh, nous montrer, je dirais, par son aspect visuel, bah, l'ampleur de la catastrophe, vous voyez, à travers aussi une ambiance aussi parfois brumeuse, parfois donc, euh, euh, comme je l'ai dit, qui nous fait euh, à, bah, découvrir un no man's land, en fait, et euh, des personnages qui vont euh, être confrontés à quelque chose de totalement euh, euh, bah, inattendu qui fait qu'ils euh, vont devoir donc s'organiser quoi pour la survie euh, avec les euh, conflits que ça peut amener euh, justement quand on commence à manquer de ressources etc et euh, je vais pas spoiler la fin du film parce que je préfère pour ceux qui ne l'auraient jamais vu ce film je préfère vous laisser découvrir par vous-même euh, l'ambiance du film et euh, c'est vrai que hum, je suis content aujourd'hui de parler d'un film français. voyez, euh, Je vais vous remettre le lien pour ceux qui veulent dire un mot avec moi sur ce film. Euh, Rejoignez-moi. Le principe quand je fais des lives euh, rétro movies, c'est aussi de venir, euh, ben, venir témoigner vous-même de, de vos impressions, même euh, l'espace de cinq minutes sur le film. Euh, voilà, ce n'est pas un live de quatre heures, c'est un live de, de max une heure. Euh, voilà, ça fait déjà 34 minutes qu'on est ensemble. Donc moi, euh, n'hésitez pas à me rejoindre et de me dire. Et il y a le dernier combat. Évidemment, j'allais complètement oublier le dernier combat de Besson, qui est excellent. Euh, voilà un film post-apo euh, très bon aussi. Le dernier combat. Comment aurais-je pu l'oublier Évidemment, très bon film de, de Besson, son premier en plus. Et merci David G de, de l'avoir cité. Euh, n'hésitez pas à me rappeler des films si vous en souvenez que j'aurais oublié, bien sûr. Le film Malville rappelle un peu Docteur Monet », le roman post-apo de Kadik. Je ne connais pas. Euh, je ne connais pas. Euh, Bunker Palace Hotel. Oui. Euh, de Enki Bilal, en effet, oui, avec Trintignant également. Euh, ouais. Bien que là, on est beaucoup plus dans un, un, un lieu clos dans Bunker Palace Hotel, puisqu'on est surtout dans l'hôtel. Euh, voilà. Alors, euh, voilà d'autres images, bien sûr, impressionnantes pour moi du film Malville. Euh, donc Malville réalisé par Christian Challonge, je l'ai dit. Euh, Christian Challonge, donc dans, dans, en termes de cinématographie, j'en ai parlé, donc réussi à dégager une atmosphère sombre, pressante, euh, donc euh, de par euh, l'aspect, euh, je dirais, euh, 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 de, de ce qu'il montre à l'écran, en tout cas de donc euh, le sentiment de désespoir, de menace euh, qui règne dans ce monde dévasté. Euh, euh, je dirais que hum, je, je dirais que ce film, c'est une méditation sur la, la condition humaine, la moralité, euh, euh, la, la résilience face à l'adversité. Je dirais également, euh, ça explore des thèmes universels avec des personnages complexes. Euh, c'est pour moi, ça en fait un film assez, euh, assez riche de sens, de signification, euh, captivant. Euh, je dirais également ceci. Euh, L'adaptation littéraire, bon, a l'air différente comme l'a dit Greg euh, par rapport au roman. Mais bon, euh, comme on dit, des fois, bah, euh, on fait pas toujours les choix de, de l'auteur. Est-ce euh, que ça en fait un mauvais film pour autant euh, Je crois pas. Euh, en tout cas, moi, le film pour moi, sur moi, a fonctionné. Et pourtant, et je n'ai pas lu le livre. Alors, euh, voilà. Et donc, c'est toujours pareil, hein, adaptation littéraire, euh, est-ce qu'on fait les bons choix Alors, regardez, je tiens à, à vraiment euh, montrer l'importance aussi de cette image, euh, Voilà, euh, voilà, qui montre encore une fois le travail euh, minutieux sur, je dirais, le, le côté dévastation euh, après la catastrophe. Et euh, franchement, ce sont des images qui marquent. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai vu Malville la première fois, et euh, j'ai eu de la chance parce que je l'ai vu en salle, et vous vous rendez bien compte en salle, c'est encore plus euh, marquant, puisque euh, le film, même s'il est sur des couleurs un peu, je dirais, euh, vous voyez, un peu sépia parfois, comme ici, un peu des, 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 des tons, un ton, euh, je dirais, saturé euh, euh, par, euh, par la brume, euh, vous savez, les, les fumées, la brume que, que, que génère, je dirais, la catastrophe nucléaire. Euh, c'est un film aussi bah, qui respire, je dirais le, le côté, je dirais euh, danger radioactif et compagnie. Euh, voilà, c'est un film qui <coughs> fonctionne parce que euh, sans que ce soit un film hyper dialogué, juste ce qu'il faut. Il y a vraiment un contexte euh, qui fout la trouille quand même, euh, avec euh, ben voilà toujours l'inconnu, de voir comment les gens vont réagir face à une situation euh, qui euh, change leur mode de vie complètement. Euh, voilà et qui, qui donne euh, lieu bah, à l'interrogation sur la nature humaine, comme je l'ai dit, et euh, sur les conséquences euh, qui, qui en résultent euh, face euh, donc, euh, à cette catastrophe. Et ici, on voit euh, notamment euh, donc Trintignant, qui est un peu, je dirais, celui qui va euh, vouloir, euh, bah, comme je l'ai dit, mener, euh, comment dire, le, le bateau à lui tout seul en avec le partage des, des ressources, etc. Mais bon, euh, il va vouloir devenir, on va dire, le celui qui maîtrise la situation à euh, lui seul, en, en se ralliant, je dirais, euh, euh, la cause des villageois, à, à, voilà, vers lui. Et euh, donc c'est un film, euh, voilà, qui est beaucoup aussi, je dirais, euh, dans, dans le, comment dire, dans le ton, je dirais, à travers les le comportement des uns et des autres dans les parfois dans les silences euh, dans les regards surtout aussi dans le voilà il euh, n'y a, a pas spécialement euh, énormément de dialogues dans le film mais il y en a euh, qui sont il euh, y, a, y a des dialogues qui sont euh, clés essentiels à un moment donné du film euh, par rapport à la situation parlons également euh, donc parabole sur la nature humaine et l'éternel recommencement absolument euh, voilà et salut à Cookie Doug, salut mon cher Cookie. Alors Cookie, tu avais dit que tu avais été impressionné. Euh, j'aimerais bien que tu témoignes de ta vision, euh, de, de ce que tu avais gardé. Parce que tu m'as dit que tu, euh, au début, euh, sur le chat, avant, avant que je commence le live, tu avais dit que ce film t'avait marqué euh, par son ambiance, je crois. Euh, D'ailleurs, tu avais mis. Euh, tu en es ressorti tendu, euh, flippé même. Donc voilà, ça j'aimerais bien savoir. Euh, que tu viennes en témoigner par toi-même sur le, le film, euh, l'impression qu'il t'a euh, qu'il laissé. Euh, voilà donc, euh, n'hésite pas à me rejoindre. Alors je vais continuer juste un petit peu encore, euh, voilà, sur Malville pour vous dire également que donc euh, ce film euh, donc euh, a été réalisé. Avec un budget, euh, selon mes notes, euh, modeste pour l'époque. Euh, mais, euh, comme j'ai dit, euh, comme je vous ai montré à travers les images, euh, malgré ça, euh, ils ont réussi à recréer efficacement l'atmosphère sombre et désolée d'un monde post-apo, euh, tel que décrit dans le roman. Voilà, euh, c'est ce que j'ai retenu. Et ça, c'est important de le noter. Attendez, je vais. Hop, parce qu'en même temps, je vous mets les images. Euh, juste un instant. Voilà, comme ici, par exemple, euh, paysage aride, désertique, euh, superbe, superbe plan. D'ailleurs, c'est très bien filmé, le film. Euh, voilà, il y, y a vraiment des plans magnifiques. Ici, on voit une scène de combat également, euh, voilà, entre les, les survivants, puisque à un moment donné, ça dégénère hein, dans le camp de Michel Serrault, qui est un peu, je dirais, le maire du village, et euh, donc ses alliés, euh, notamment Dutron, ici, qu'on voit euh, au premier plan. Euh, bon, Jacques Villeray, c'est le, le fils simplet hein, euh, euh, Mais en tout cas, c'est un film qui, euh, qui moi, euh, vraiment euh, m'a laissé une, une véritable empreinte en, te en termes de euh, et voilà, justement, qui prouve que le cinéma français aussi euh, savait euh, donc explorer des thèmes euh, voilà, qui sont euh, vraiment euh, différents dans le cinéma de genre et euh, qui font plaisir à voir parce que euh, ben, même si c'est une adaptation hein, à la base d'un roman euh, post-apo, eh ben, au moins euh, de tenter des choses différentes à l'époque, même après évidemment, mais euh, voilà, de, de faire quelque chose qui, euh, qui respire, je dirais, euh, ben, euh, quand même. Euh, un soin particulier, comme je l'ai dit, au décor, euh, euh, donc au casting, euh, voilà. D'ailleurs, il faut savoir aussi que par rapport à ce que j'ai recueilli comme note sur le film, euh, Malville a reçu des critiques mitigées à l'époque. Il euh, y, y, y a des critiques qui ont salué la fidélité au roman source et à l'exploration des thèmes complexes, et d'autres ont critiqué sa lenteur narrative et son manque d'action. Euh, alors, ceci dit, moi, comme j'ai dit, j'aime bien les lenteurs. Moi, la euh, le côté contemplatif ne me dérange pas quand je le trouve fascinant. Moi, je trouve ici que le, le côté contemplatif est fascinant à voir. Donc, j'ai été happé par les images, donc j'ai beaucoup euh, vraiment apprécié euh, et je suis rentré dedans. Euh, Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde et je pense que c'est un film qui peut évidemment euh, laisser certaines personnes eh ben, un peu, je dirais, en, en retrait euh, s'ils n'arrivent pas à vraiment à, à rentrer dans cette euh, narration, par manque d'action, mais en tout cas il y a de l'action aussi, hein, un petit peu euh, surtout euh, à un moment donné du film comme ici. Euh, mais c'est pas là le propos. C'est pas Malville n'est pas, pas un film de survie pour euh, faire un film d'action. Euh, voilà, il faut, faut repenser au contexte du film. Euh, voilà, c'est on n'est pas là pour voir un film d'action. On est là pour voir un film de survie. Comment s'organise la survie entre euh, les personnes de ce village euh, Voilà donc euh, qui euh, donc euh, tant bien que mal, ben, vont essayer de, de s'allier euh, euh, les uns avec les autres pour, euh, pour faire face à, à, à cette horreur, on va dire. Euh, voilà, donc euh, je tiens à signaler quand même les interprétations de Trintignant excellente, de Serrault, euh, de Jacques Villeray, bien sûr. De Jacques Dutron, enfin, une très bonne distribution, euh, voilà, qui, qui fait vraiment le, le, le boulot euh, comme il faut face à la caméra de Christian Challenge. Alors, Christian de Challenge, euh, je voulais quand même vous parler un peu de Christian de Challenge parce que c'est important de parler de ce réalisateur aussi, comme je le fais toujours dans ces rétro-movies. Euh, je reviens aussi sur un peu le réalisateur. Donc, c'est un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, hein, qui a commencé sa carrière en 68 avec Le Saut, qui a fini sa carrière avec euh, Le Comédien. C'est un film, euh, il est toujours de ce monde, il a 87 ans. Bon, il ne fait plus de cinéma depuis très très longtemps, il a refait de la télévision jusqu'en 2009. Euh, C'est un réalisateur qui a, pour moi, euh, je dirais, euh, compté par rapport à des films comme Ce bah, Malville, bien sûr, L'argent des autres, sur lequel je vous... Euh, qui était le précédent film de, de Challonge. Euh, L'argent des autres, excellent film sur le, les luttes de pouvoir aussi, euh, je dirais, dans une... Euh, une entreprise euh, euh, avec aussi, euh, je dirais, une influence politique. Euh, voilà, l'argent des autres est vraiment un excellent film sur lequel je reviendrai bien sûr dans, dans cette euh, dans ce rétro et que peut-être je diffuserai d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier aussi le film qu'il avait fait avec Jacques Perrin, euh, les 40e rugissants, hein, qui, qui parle de la traversée, euh, euh, la traversée de, de l'Atlantique, je crois, d'un navigateur en solitaire. Euh, il y avait également Docteur Petiot, bien sûr, où il retrouve Michel Serrault en 90, Docteur Petiot, qui est donc inspiré d'une histoire vraie, donc ce, ce médecin français euh, qui fut un, un tueur en série pendant l'occupation allemande. Euh, vous avez également vous avez également, excusez-moi, <coughs> j'ai mal à la gorge. Docteur Petiot, donc j'en étais à Docteur Petiot pour... et puis euh, donc euh, il y a eu également le voleur d'enfants et son dernier film c'était le comédien. Euh, voilà. Sinon il a fait un peu de télé comme j'ai dit. Euh, voilà. Mais donc c'est surtout pour moi les films les plus marquants, ce sont vraiment euh, l'Alliance, son deuxième film, <coughs> film fantastique, euh, très sobre, l'Alliance que je vous conseille. L'argent des autres euh, pour moi. Euh, son meilleur film euh, et puis ce Malville euh, un de ses meilleurs films et, et puis après je dirais Docteur Petiot mais il avait vraiment une filmo très euh, très minime euh, à peine neuf films en tout euh, voilà je revois ça sur mes notes voilà donc euh, vraiment c'est un film euh, qui a compté euh, je dirais dans le genre cinéma de genre euh, je dirais atypique français euh, qui change bah, de la comédie qui change de tous les genres que que le cinéma pouvait euh, euh, montrer à l'époque. Excusez-moi. Hein. En même temps, je cherche des belles photos euh, du film à vous montrer, euh, parce que j'en ai pas 36 000 non plus, parce que ce pas évident d'en trouver aussi. Euh, voilà, j'aime beaucoup celle-ci également. Euh, voilà. Là, je ne sais plus qui c'est qui à l'écran. Alors, j'ai pas, pas l'impression que ce soit le, le même film. J'ai dû me tromper, parce que je ne reconnais pas Malville là. J'ai dû me tromper les amis, désolé. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup cette photo-là. Euh, regardez aussi l'ambiance ici, euh, presque, je dirais, sombre et oppressante, crépusculaire de, de cette image de dévastation. Euh, dans cette brume avec cette, euh, cette pluie de cendres aussi, vous voyez, euh, vraiment effrayante, euh, qui donne un, un aspect très, très particulier au film. Voilà. Et qui donne aussi le côté réaliste, euh, je trouve, euh, à ce film. Euh, voilà. Donc je vais, euh, voilà. Moi, en ce qui me concerne, euh, je pense que j'ai fait le tour de la question. Euh, je dirais simplement pour conclure sur Malville que pour moi, c'est bien plus qu'un simple film de SF post-apo. Je vous l'ai dit, c'est un film aussi sur la nature humaine. C'est une œuvre complexe, nuancée, qui explore des thèmes profonds, universels. Et qui, offre, et qui offre une, immer, une expérience cinématographique immersive et captivante. Voilà, donc ce sera, ce sera ma conclusion, euh, et je vais donc euh, accueillir tout de suite euh, quand même une personne, vous voyez, parce que c'est le but aussi, c'est de vous accueillir, et de vous laisser aussi vous exprimer sur le film en question, si vous avez des choses à dire, et je vais accueillir tout de suite Cookie Doug, euh, ce cher Cookie, qui me salut à toi. <laughs> Ouais, bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. J'espère que tout le monde va bien. Toi aussi, j'espère, parce qu'apparemment, tu as l'air de bien tousser. Oui, je tousse un petit peu, ouais, parce que j'ai parlé très vite. Et, et puis voilà. Ah, mince. Euh, mais ça va, tout va bien, t'inquiète, je reprends, euh, donc, euh, je retrouve ma voix. Tout de suite, ah, ouais. pour te demander, bah, tout de suite, euh, Cookie, euh, je parle de ce film Malville, parce que dans le <laughs> cinéma français de genre, euh, des films comme ça, il n'y en a pas eu énormément. Je hein, <laughs> Euh, euh... Est-ce que toi, Malville, justement, parce que tu, tu, tu es là pour t'exprimer sur ce film, tu l'as oui. vu il y, a, il y a très longtemps, j'imagine Oui, justement, c'est ce que, ce que j'avais dit. En fait, je t'avais laissé un message, en fait, comme quoi ce film, je l'avais vu. Je devais avoir une dizaine d'années, euh, j'étais ouais. gosse. Euh, j je me souviens, c'était une des un des rares films que je me souviens quand j'étais gosse, euh, bah, mis à part un Star Wars. Mais Malville m'avait ouais. un peu perturbé dans le sens où euh, euh, on commence à toucher un petit peu euh, à l'armée. Enfin, je ne sais pas si tu as, si as Oui, j'ai déjà dit oui, oui je n'ai okay, pas spoilé la, la toute fin, mais j'ai dit que c'était ah, bien c... une catastrophe. J'ai dit que c'était bien une catastrophe nucléaire. Ok, ben bah, voilà. En gros, en gros, c'est voilà. ce qui m'avait, ce qui, ce qui m'avait fait flipper. Tout à fait. Euh, ouais. en plus de voir les, oui. les, les personnes arriver déguisées euh, euh, avec les combinaisons euh, ouais. anti-radiation, euh, euh, c'était en fait c'était assez étouffant parce que. Tout à fait, ouais. on, Enfin, moi, j'avais dit balai, Je ne me rendais pas vraiment compte de ce, de ce que c'était et des conséquences que ça pouvait amener. Euh, à dix ans, le post-apo, on n'y fait pas trop attention. Et, et c'était ça, en fait, que je, que, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'était le côté un peu choquant euh, de la vision, un peu euh, comme on dire, le voit sur les images, cardesque. là. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, que lorsque je suis sorti, lorsque je suis sorti de la salle. Bah en fait, j'étais un peu tétanisé parce que ça fait, ça fait peur à 10 ans, le truc atomique, tu t'attends pas à ah ce oui, que ça oui. se passe comme ça. Quoi. Et je me suis... après, euh... bon, maintenant, le, le film, je le reverrai. Si jamais je le vois, bon, je pense qu'il a peut-être pris un coup de vieux, mais c'est. Alors, je, moi, je bah, trouve pas comme ça. Peu, je moi, je l'ai revu exprès pour le live, pour me replonger dedans, et je peux t'assurer que mais... c'est toujours super efficace. En termes de décor, euh, mmh. de, de réalisme, c'est incroyable le film là il a, ouais, il a puis... vraiment encore une, une patte incroyable ouais puis c'est pas fait tu sais des des, des, des images comme les comme les toutes les personnes qui sont dans les dans, dans les wagons tu sais, les les gars, les gars ouais. ils transpirent enfin tu c'est 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 étouffant ah, oui. c'est bah, ce truc là, là en fait là on, on, on le voit d'ailleurs regarde sur l'image ouais, ouais, on voit qu'il est il suinte. mais c'est ça après, j'ai peut-être des, des images un peu faussées, mais je me, je, je me revois en train de, 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 de voir les gens se décomposer légèrement. Il y avait des visages avec quelques croûtes. Enfin, ça fait très bizarre de voir ça dans un, dans, dans, dans un film, quoi. Enfin, à l'époque. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est pour ça que voilà, j'en étais ressorti un peu, euh, ben un peu entre guillemets tendu, mais j'ai eu beaucoup peur en fait, quoi. Mm -hmm. C'était plus de la euh... peur. Est-ce que euh, par rapport à ce film, est-ce que euh, tu penses que le film aussi fonctionne de par, bien ses décors, son, son côté, euh, je dirais, euh, vraiment dévastation, euh, je veux dire, d'une catastrophe euh, vraiment, euh, donc, euh, où il y a une urgence, en fait, de survie aussi, on le sent dans le film. Oui. Mais oui. euh, est-ce que aussi les personnages, je veux dire, euh, je veux dire, le film parle de la nature humaine et de ce qu'elle est capable de faire quand elle oui. est face à un danger, euh, à, à, oui, quand est elle est face à quelque chose qu'elle ne comprend que ça, pas je fais un, un, un petit parallèle avec, un, avec oui. un film dont tu as parlé il n'y a pas si longtemps que ça c'était le Grand Embouteillage et je ah, revois ben quelques voilà, petites oui. similitudes dans un autre un contexte. Peu... Dans un autre oui contexte. voilà c'est ça. Mais au niveau le, le final, au niveau de la nature humaine, on retrouve euh, exactement les mêmes euh, les... comment dire les mêmes formes de violence. Fin de chacun pense à sa gueule et, euh... voilà, ouais. et c'est c'est dégueulasse. Quoi. <laughs> Est-ce est que ça te euh, est-ce que tu connaissais le roman Non, non de Robert du Merle, tout. du tout, du tout. Euh, du tout. Voilà, parce qu'apparemment, le roman est différent sur la fin, euh, c'est pas la même fin. Alors, moi, c'est pour ça que je serais que le lire quand même pour voir quelle était la fin, puisque c'est Greg qui a dit ça. Oui, ça peut, ça peut, euh... c'est peut-être intéressant. Il y a plein de films comme ça dans les années, euh, années 70-80, euh, « Le prix ouais. du danger euh, »,« ouais. euh, Le ouais. pétillage de... », comme ça. C'est voilà. le genre de film que, voilà, quand tu es, es gosse, quand tu sais que ça passe sur, euh, sur FR3 ou euh, dans les... Euh, je ne me souviens plus du nombre de, de, de l'émission, où tu avais un... une émission, ça passait le mardi, euh, tu avais un, mm. une, un thème spécifique, là, avec un film qui présente un petit peu ce thème, et après un débat, et ouais. « Les dossiers de l'écran » peut-être si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y avait les ça, de ça, des dossiers de l'écran. Je crois qu'il est, il est peut-être passé dans le cadre des dossiers de l'écran. Il me semble je sais que il est passé. Mais je, je ne pourrais pas. pas dire. Euh... Alors, comme je te l'ai dit, tu sais, le film, euh, donc, il n'a pas, ré... pas bénéficié en plus d'un gros budget. Hein. Pour l'époque, moi j'ai pris des notes. Mmh. Euh, c'est un budget modeste. Et, et ce qu'ils arrivent à faire avec un budget modeste, c'est quand même... Euh, la production, elle a réussi comme j'ai dit, euh, ils arrivent à recréer quand même une ambiance, une atmosphère sombre. Mmh. Désolé d'un monde post-apo. Euh, mmh. Et ça, c'est, je veux dire, pour l'époque, euh, ils avaient quand même des sacrés artisans, quand même, euh, au niveau de, euh, je dirais, de, 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 équipe, des équipes techniques, pour donner oui. euh, vie. Euh, parce que là, attention, euh, on est en 81 quand sort le film, euh, mon cher Cookie, et il n'y a pas des fonds verts là. Hein. là non, il y a rien. Ils n'ont pas tout -être ça, hein. c'est un peu de carton pâte, je ne sais pas, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, je, je revois ce wagon qui était complètement désynchronisé de ses rails mis sur le côté. Des gens avec des, to avec des torches, enfin, ça, ça fait très étouffant, ah, ah très, très, ouais, très étouffant, c'est ouais. voilà, ça. Ouais. Euh, alors, euh, attends, je vais juste enlever un petit commentaire. Parce que après je suis perdu là, euh, dans les commentaires jusqu'à <laughs> l'instant. Euh, oui, les... Moi, je fais ouais. la critique du film et en même temps, euh, je gère tous vos commentaires. Voilà. Ouais, parce que j'adore l'affiche. Euh, l'affiche, elle, a... elle a du style. Il faut savoir que ce ouais. film n'existe qu'en DVD, les amis. Il n'est jamais sorti en Blu-ray à hein, Melville. C'est pareil. Il ouais. ouais, y a des films comme ça qui sont passés à la trappe, euh, je sais pas, des distributeurs. Euh, pourtant, euh, sacré casting, Jacques Dutron, Jacques Villeray, Robert Derry, Jean-Louis Trintignant, Michel Serrault. Euh, c'est quand même pas rien euh, de réunir tous ces acteurs en même temps pour un film comme ça, un film de genre comme ça. Mais euh, il n'a jamais connu l'honneur d'une un, sortie en blu heureusement. Alors que c'est un film mais qui est le... mérité euh, de par l'image. Ouais. Oui L'affiche la, la, est, euh, est très, très agressive. Hein, en de, de, je, je crois que c'est. Je ne dis pas de bêtises. Hein, je crois qu'il y a. Calvaire, je crois qu'il y a aussi, euh, aussi, ouais. aussi, je dans les rouges comme ça. Ça agresse l'œil quand même. Calvaire, que... c'est comme ça, ouais, un peu dans les, dans les tons rouges. Ouais. Ouais, ouais. Mais attends, je ne sais pas. Je regarde si je n'ai pas autre chose. Il y avait ça. Ouais, ben bah non, c'est la même affiche en fait, hein, mais en large en fait. Il euh, y, a, y a aussi. Euh, ce que je voulais dire, c'est par exemple. Oui, Grégory, bien sûr, Avenir du futur, excellent. Oui. C'était dans l'avenir du futur. Ouais. C'était quoi d'ailleurs, l'avenir du futur C'était des, des émissions, des thématiques débats des aussi Oui, c'était ça, c'est ça. Mais après, je pense qu'il venait plus venir des, des peut-être des scientifiques ou des, des psychologues. Enfin, et il y a eu des, a eu des films. J'aimerais bien un jour avoir la, 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 la liste des films qui sont passés parce que je me souviens plus trop. Mais je, on en avait parlé de temps en temps avec Greg dans, 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 différents, dans différents endroits où on se croisait. Et, euh, on est, on est d'accord que, que la musique déjà d'intro de l'avenir du futur elle, elle veut dire ce qu'elle veut dire quoi c'est bien hein, c'est de la bonne musique des années 70 euh, qui donne un peu impression de euh, un truc un peu angoissant quoi c'était à l'heure on a cité les films, euh, donc les essais en France de, sur le post-apo, donc il y a eu euh, bien sûr ce Malville. Euh, il y a eu, euh, comme je l'ai dit, Deux Malémomes en 76 avec Nils Arestrup, qui est un très bon film aussi euh, post-apo euh, que je vous invite à découvrir, qui se déroule dans des régions un peu désertiques aussi, comme ça un peu dans la, je dirais, dans, 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 dans un no man's land un peu, euh, puisque bon, euh, évidemment, pour représenter des décors post-apo, euh, ils ne pouvaient pas, enfin comment dire, vider une, une ville entière. <laughs> ils n'avaient pas les moyens à l'époque en France. Donc, euh, ils tournaient ça, on va dire, euh, à la campagne, là, un peu, vous voyez, euh, dans des, dans, où, où ils peuvent faire euh, ben, un mélange de décors réels et de décors euh, peut-être euh, en carton-pâte, mais qui, qui font très réaliste, je trouve. Il euh, y a eu euh, donc un autre film qui s'appelle Et si le soleil ne revenait pas Donc, ça m'est revenu. C'est un très bon film aussi euh, sur lequel je vous invite à vous pencher. C'est avec Charles Vanel. Et c'est l'histoire, euh, pareil, euh, de. Comment dire, un jour, dans un petit village, encore une fois, perdu dans la campagne française, donc, il y a une sorte de prédicateur, un, un, un prophète qui est joué par Charles Vanel, qui annonce euh, donc, que euh, selon ses calculs, en fait, le, le, le soleil va s'éteindre. Et donc, ce qui fait que ça plonge peu à peu donc, les personnes dans une. Ben là, ça va explorer, je dirais, la nature humaine profonde à travers la peur de l'apocalypse, c'est-à-dire que si le soleil s'éteint, ben, on est foutu, en fait. Parce que une vie sans soleil, c'est une vie, donc, sans lumière. C'est une vie, euh, euh, voilà, qui, euh, qui nous oriente vers, bah, le, je dirais, une ère glaciaire. Une... Voilà. Donc, c'est un film qui était vraiment excellent. Et il euh, y avait les prémices de cet apocalypse qui était vraiment euh, pas mal du tout. Donc, le, le film de Claude Goretta et Si le soleil ne revenait pas. Euh, ça, je vous invite à le voir. C'est en 78, celui-ci. Euh, voilà. Donc, euh, un des derniers films de Charles Vanel à l'écran. Tu connaissais ou pas Non, ça ne me, ça me, me, me dit pas grand-chose. <laughs> Autant, je me souviens d'avoir stressé vachement longtemps devant la télévision dans les années 80, à regarder, à regarder à pas mal de cochonneries. Euh, ouais, euh, comme tout le monde. Mais bon, après, <laughs> j'ai bouffé du temps X, on a bouffé pas mal d'émissions comme ça, et, et les dossiers de l'écran, et euh, l'avenir du futur. Euh, mes parents me laissaient, me laissaient regarder, et j'ai dû voir des, des bons films qui... Euh, je me souviens plus trop, et bien effectivement, il y en a certains qui restent comme, comme Malville. Et est-ce que par rapport à Malville, tu connaissais le réalisateur Christian Challenge Est-ce que tu avais non, déjà vu un, quelques-uns de ses films non Jamais, jamais, jamais. Non, non, non. D'accord. Tu n'avais pas vu euh, ce qu'il avait fait avant. Ou non. après. Pareil. Alors, euh, il faut absolument que tu vois, par exemple, l'Argent des autres hein, de Christian Challenge, qui est un excellent film de, de ce réalisateur, que je t'invite vraiment à découvrir. Euh, encore une fois, sur un sujet totalement différent, mais super maîtrisé. Euh, vraiment, euh, voilà, un, un film sur euh, la, la crise dans une entreprise et encore une fois, euh, l'histoire de manipulation, de manigance euh, dans cette entreprise, euh, qui euh, où, où à l'époque, euh, tous, tous les coups sont permis. Euh, voilà, en montrant encore une fois la, la stupidité humaine pour arriver euh, de, des uns et des autres pour pouvoir bah, gravir les échelons dans une entreprise. Et euh, les coups bas, quoi, etc. Et c'est très puissant, puisque le film est assez radical dans l'approche, et surtout avec une fin euh, vraiment euh, que je, dont je me rappelle tétanisante en termes de réflexion, or, qui m'avait retourné l'esprit euh, tellement c'était d'une euh, implacable. Voilà. Donc, L'Argent des Autres, euh, très, euh, pour moi, le deuxième meilleur film avec, euh, avec ce Malville de Christian Challenge. Euh, sans oublier l'Alliance aussi sur une histoire. Euh, fantastique autour d'insectes, euh, voilà qui euh, bah, qui sont en train de devenir plus intelligents que les êtres humains. J'en dis pas plus. Euh, voilà. Dans le film, c'est un vétérinaire qui s'intéresse à une race d'insectes qui n'est pas comme les autres. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Pour ceux qui voudraient le voir, euh, voilà. Donc euh, une dernière chose, mon cher Cookie, euh, avant que ouais. je termine cette émission, euh, comme ça fait une heure et puis que moi c'est un format court, tu le sais. Mmh. Euh, est-ce que tu dirais euh, simplement que ce Malville, déjà, est-ce que euh, tu, tu l'as revu depuis, euh, bah, depuis que tu l'avais découvert euh, quand tu étais, on va dire, beaucoup plus jeune que Non, j'ai pas conseillé. Conseiller, euh, bah, conseiller. Enfin, oui, parce que enfin, personnellement, moi, quand je parle du principe qu'il me reste quelques images, euh, alors que je l'ai vu il y a une quarantaine d'années. Comme celle-là, regarde. Euh... Superbe. Tratignant vu de haut, qui regarde Zero en étant ouais, menaçant. Non, mais je serais, je serais intéressant en fait, de, le re, de le revoir en fait, pour euh, voir si je peux encore euh, ressentir ces, ces sensations euh, d'étouffement et euh, d'anxiété euh, dans lesquelles euh, je m'étais un peu, un peu perdu pendant, pendant le film et euh, en ressortant de, 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 de la séance. Oui, oui. C'est toujours, toujours intéressant de, 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 de voir certains films dans les, enfin, qui, ont, qui, ont, qui ont qui sont restés, en fait. Voilà. Euh, oui je peux. Et sincèrement moi, je pense que si jamais je retourne de, et tu disais que c'est un film aussi qui, euh, qui quelque part fait réfléchir sur je dirais les, les choix euh, moraux en fait si on était confronté à des circonstances extrêmes comme, comme cette catastrophe tu vois qu'est-ce qu qu'on ferait comme choix tu vois de, pour, pour survivre en fait et ce, et ce film c'est ça la réflexion de ce oh, film c'est ça Cookie ce, ce film explore, euh, je dirais, euh, pas spécialement le, la, la toile de fond, c'est la catastrophe, mais, mais ça passe en second plan après. C'est vraiment un film bah, sur je... les personnages. Oui, oui, complètement. Oui, la catastrophe, en fait, si ne... c'est une, c'est pas, ça parle pas sur la catastrophe. C'est simplement euh, fait, comment, tout ce que tu disais, c'est comment ça se passe quand tu as des individus qui sont quelque part, il ouais. euh, y a une prise de pouvoir qui, qui, sont, qui est, qui est, qui est, qui est mise en avant et bah, qu'est-ce qu'on est capable pratignant. de faire ou pas. Ouais. Ouais, c'est très intelligent, mais oui. c'est vrai que Tintinien en plus, <laughs> très, très, bon de, très très bon, très très bon, très très bon acteur. J'adore, ah oui, bah on parle et on finira là-dessus, mon cher Cookie. Mais on parle des ouais. acteurs de l'époque, mais c'est vrai que quand même, quoi, je veux dire, tu vois, même dans un contexte de film post-apo, quand tu prends quand même un cast de haut niveau, tout de suite, le film, tu as, as envie d'être dedans, quoi, tu vois, c'est ce que j'ai hum. remarqué en revoyant oh, le film. Je peux t'assurer que les acteurs, même ce film date de 80, donc il a plus de 40 ans, quoi. Et eh ben, Mais... euh, les acteurs euh, sont toujours, euh, c'est tellement un plaisir de les voir jouer, même à l'époque. Euh, tu vois qu'ils arrivent euh, vraiment à, à te faire tenir dans le film, quoi. Oui, oui. De... Tu vois, comme 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 Sirop, on on a bah, à cataloguer pour pour, pour son rôle dans la cage roux, rôle. Euh... En fait, il est capable de s'adapter ah, à bon. tout. Hein. Quand on voit dans Buffet Froid comment il joue. Buffet Froid, oui. C'est ouais. génial, oui. Ou Garde à Vue. Rappelle-toi Garde à Vue. Oui, oui, entre autres. oui il y en a Garde à Vue de Claude Miller. Euh, où il est face à Aventura et il tient tête à Aventura. Dans une sorte de, bah, de garde à vue, hein, d'interrogatoire. Euh, ouais. Ça, ça aussi, ça. Garde à Vue, les amis. Un jour, je pense que je ferai un live sur Garde à Vue. Hein. Euh, si Garde à Vue, euh, voilà quoi. En tout cas, euh, oui, n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vu ni entendu parler de ce film. Merci pour cette proposition. Bah, franchement, je t'invite à le découvrir. Euh, il dit également, rien que pour l'ensemble du casting, cela vaut le coup de s'y intéresser, c'est certain. Euh, et puis Gottfried qui dit, Garde à vue est une pépite. Absolument. Euh, voilà, le grand cinéma français de l'époque, il, il a existé. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Je ne fais pas une généralité. Mais disons que euh, moi, en termes qualitatifs, aujourd'hui, je trouve que c'est moins fort qu'avant. Voilà, c'est tout. Après, c'est ce que je constate. En termes qualitatifs, ça a baissé quoi, au niveau de C'est différent. C'est différent. Mais Et euh, un... Comme tu dis, on en a parlé hein, pendant les lives, souvent. Oui, oui. Bien sûr. Euh, L'état du cinéma français. On a une autre génération, une autre approche du cinéma. Mais moi, euh, malheureusement, bah, je reste cinéma, dans le passé. Je reste, bah, je reste encore dans le passé. Parce que le passé me fait encore vibrer. Vous vous rendez compte? Moi, je vais faire 48 ouais. ans cette année. Et franchement, vous euh, voyez, euh, je me dis. Enfin, euh, euh, j'espère encore, euh, je touche du bois, euh, vivre des belles choses. Mais euh, euh, je sais que je ne reverrai plus ce cinéma-là. On ne le reverra plus, ce cinéma-là. Mais j'ai encore, je garde de l'espoir pour. Euh, bah, heureusement, le cinéma est éternel. Et. Tous ces films euh, des, des décennies majeures qu'on qu adore, bah, on n'a pas tout vu. Donc, en, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de notre vie, on aura de quoi faire encore. Je pense qu'on est arrivé aussi, euh, enfin, on est né à la bonne période pour découvrir des, 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 bons, des bons films euh, 60, 50, 60, 70, 80, un petit peu 90. Ouais. Euh, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses quoi, avec des bons, des bons acteurs. Et puis, il y avait les. Des bons sujets qui étaient, qui étaient développés. Quoi. Maintenant, le cinéma ouais. français, c'est autre chose. Ça et si f... est-ce euh... que tu, tu... Bah oui, le, le cinéma français, c'est autre chose. Ouais. Mais euh... oui, tu te rappelles de Villeray aussi dans le personnage, il était marrant. Enfin, il jouait un le simplet de service là. Un simple, oui, oui c'est ça. Ouais. bon mot non, Mais était il, pas est... bon il était, il était déjà bien. très bon euh, Villeray, déjà. Euh, quel acteur aussi? Il nous a quitté trop tôt, lui aussi, hein, malheureusement. Tous, hein, tous à l'écran, ils sont morts, hein, tous, hein, quasiment. Hein, c est, c est ah non, sauf Jacques Dutron, sûr. Excusez-moi. Euh, ouais. Mais tous les autres, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Euh, donc, c'est pour ça que les films qu'ils ont fait, et je terminerai là-dessus, les amis, euh, les films qu'ils ont fait, bah, les rendent éternels. Voilà. Ouais, faut et c'est ça. Voilà, c'est la magie du cinéma, n'est-ce pas, mon cher Cookie? De rendre tous ouais, ces acteurs. C'est toujours ben, agréable. Il voilà. ben oui, oui. voilà. faut se faire une idée de, de, de comment était le cinéma à une, une certaine époque et par rapport aux sujets qui sont, qui sont développés et par rapport aux jeux d'acteurs. Ben des fois, ça peut donner une belle osmose, donc un bon film. Et comme dit euh, Ciné Legacy, évidemment, les acteurs mis en avant aujourd'hui sont d'une nullité sans nom, c'est une honte. Alors, moi, moi, je suis d'accord euh, quand même euh, plus ou moins avec ça parce que c'est vrai que les acteurs, c'est vrai que je fais toujours des comparatifs, mais c'est vrai que c'est incomparable. C'est un autre euh, style d'acteur, mais euh, évidemment que moi, enfin, euh, je repense euh, au dernier live que notamment Patrick a fait sur sa chaîne Actua Série, que je vous invite à rejoindre, à, à aller voir euh, d'ailleurs dès demain soir son live sur, euh, qu'il a prévu sur Kate et Leopold <coughs> autour du film. Mais c'est vrai que euh, dernièrement j'ai refait un live avec lui sur euh, les grandes gueules de Robert Enrico. Euh, 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 regardez la distribution, quoi. Je veux dire, c'est vrai que l'Eventura, enfin euh, tous ces acteurs de l'époque, euh, c'était même les seconds couteaux sont excellents. Enfin bref, mmh. évidemment qu'aujourd'hui on n'a plus, la... plus des super grands acteurs, on a des types d'acteurs, mais ouais. Ouais, ouais. en tout ça. cas, voilà, c'est comme ça. Euh, mais on a et je terminerai vraiment là-dessus, on a quand même le passé pour les revoir. Voilà. Oui. oui C'est voilà. toujours donc, un plaisir euh, d'avoir un vieux film. Bah, je te remercie, euh, mon cher Cookie, d'avoir euh, participé à cette émission. Merci beaucoup. Et, et, puis, euh, et puis, donc on se retrouve euh, pour ceux qui sont euh, frais et dispo euh, pour la soirée de reprise à 21h <laughs> sur, euh, sur Twitch sur Twitch normalement, euh, avec euh, la diffusion d'un film euh, que vous choisirez, soit euh, Course contre l'Enfer euh, de 75 euh, de Jack Starrett, excellent petit film, petite série B euh, horrifique, ou alors un petit post-apo italien, justement post-apo, euh, qui s'appelle The Final Executor, euh, réalisé par Romolo Guerrieri, et euh, celui-là, il n'est pas piqué des hannetons, je vous assure, voilà, c'est soirée détente, euh, voilà, on pose le cerveau en VO italien, italien. sous-titré français. Ouais, Ça, c'est important. Le deuxième, alors. <laughs> ah ouais, VO italien, sous titre français, là, les amis. Voilà, donc vous êtes tous invités à nous rejoindre sur euh, Twitch si vous avez euh, envie de passer une petite soirée euh, dans le passé euh, de, de, ces, de ces films de genre euh, d'un autre temps. Euh, voilà. Et puis, euh, salut à toi Olivier. Je confirme, *Speak No Evil*. Très très bon film. Ouais. Un peu malaisant celui-ci, hein. Speak no evil. Il existe bien entendu en France de très grands acteurs, mais ils ne sont pas mis en avant car ingénierie sociale oblige. Tout à fait, mon cher Ciné Legacy. Cine Legacy, euh, je, je reprendrai contact bientôt avec toi euh, voilà, pour euh, un film. Et le dimanche soir, Arcania prend le contrôle de vos écrans, je l'espère. En tout cas, vous aurez aussi droit à du au-delà de Raël, à du chapeau mot les bottes de cuir, à ces séries, euh, voilà, dans la nostalgie euh, euh, qui nous replonge encore une fois dans, dans ce qu'on adorait aussi. Euh, bah, de ce que nous a donné, euh, bien sûr, aussi euh, les séries de l'époque. Euh, voilà. Désir de retrouver des acteurs de, de renom. Voilà. Merci à toi, Cookie. À très bientôt. Merci, Bastille. merci. Euh, merci dans le chat. <laughs> Super sympa d'être venu euh, pour euh, écouter euh, ce live. Je vous retrouve bientôt pour. Euh, dès, dès ce soir et puis bientôt pour le prochain, euh, euh, prochain live euh, qui sera donc euh, consacré. Euh, donc euh, à un autre film surprise euh, courant de la semaine vous verrez euh, à bientôt quand tu veux Pascal en tout cas rendez-vous le 16 alors le 16 oui il y a un petit changement Ciné Legacy juste le 16 euh, mes invités ne sont pas dispo il va falloir qu'on reporte je suis vraiment désolé mais par contre je t'ai invité sur le spécial Brian De Palma si ça t'intéresse euh, on va faire, je vais faire un live sur, euh, sur la carrière de Brian De Palma et je suis sûr que Brian De Palma euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de films que tu aimes chez Brian De Palma et même ceux que tu n'aimes pas tu pourras en parler également voilà je vous dis à petite bientôt question. juste une oui. petite question Pascal avais, on, lors d'un live j'avais demandé est-ce que tu euh, si tu avais envie de revoir Scanner tu m'avais dit que tu avais envie de revoir le film Scanner alors je, je, comme je t'avais dit la semaine dernière ce serait dans deux semaines donc, ce n'est pas ce soir, ah, c'est la, semaine oui, oui, eh oui, la semaine prochaine. Oui, je t'avais dit, le programme dans deux semaines. Voilà, Donc, okay. c'est dimanche prochain, Scanner. Ok, super. Voilà. Tropical. Donc, Scanner 1, et peut-être je vous passerai aussi, euh, peut-être le 2 ou le 3, on verra, une séance spéciale, un peu, voilà. Mais vous verrez aussi peut-être Scanner Cop, hein, pour, le, pour le fun, voilà. En euh, tout cas, Scanner, <laughs> le Cronenberg, avant toute chose, euh, rien que pour l'explosion de la tête mythique, inoubliable. <laughs> voilà, il faut le revoir. Euh, et puis surtout parce qu'il y a Michael Ironside, euh, n'oublions jamais Michael Ironside. Et surtout Patrick McGowan. Et bien sûr notre cher prisonnier, Patrick McGowan, bien sûr. Voilà. Et Jennifer O'Neill. Jennifer O'Neill, magnifique voilà. actrice. Magnifique. Attention, Jennifer O'Neill qui est dedans dans Scanner aussi. Et puis Cronenberg. Euh, euh, on aura peut-être l'occasion de voir d'autres films de Cronenberg, bien sûr. Et surtout Frisson que j'adore. Euh, et Chromosome 3, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Merci Cookie. Euh, salut à tous. Merci Pascal. Salut Cookie le chat. Bye sur les bye images bye. de Malville. Bye bye. À bientôt. Ciao.